Who are we? Why are we here? What are we even made of? What are we waiting for? At DAVA, we believe technology should inspire, energize our ambitions, fuel our dreams, help us reimagine this crazy world. It's why we create jobs that move us every single day. This is who we are, and this is what we do. DAVA recrute. Moi, c'est Sacha. Moi, c'est Augustin. Tu cherches le job de tes rêves? Ou tout simplement un travail? Alors rejoins-nous à Mende. Bienvenue en Île-aux-Aires. Alors pourquoi la Lozère? C'est très simple. Nathalie Kosciusko-Morizet, qui était ministre du numérique à l'époque, nous a demandé une margerie de connectée. Du coup, j'ai tout de suite quitté mon poste chez Spotify et je suis venu ici, en Lozère. Et avec toute l'équipe de Lozère Développement, on a travaillé comme des dingues pour installer la fibre partout en Lozère, y compris dans les tombes mérovingiennes. Alors venez à Mende, on a la Wi-Fi! Les entreprises rivales ont des longueurs d'avance. Il nous faut dépasser nos propres limites. Nous recrutons à tous les postes. Laissez-nous vous présenter notre entreprise. Chez DAVA, il n'y a pas de considération hiérarchique. Nous n'avons pas d'employés, nous avons des chats. Ouais, on voulait tout simplement intégrer le flex office dans l'aménagement pour proposer quelque chose, une ambiance de type comme à la maison. Ainsi, les 200 mètres carrés de bureau sont quasiment identiques à mes 200 mètres carrés d'appartement. Où j'habite. Mais mes 200 mètres carrés. Quasiment pareil. Du coup, je me sens chez moi. Nos employés ne doivent pas dire « je vais au travail », mais « je vais manger des croquettes ». Des croquettes pour chats stérilisés. Notre espace de commangeage est magnifique. À chaque fois que je le traverse, j'ai envie de pleurer. Travailler assis toute la journée, derrière son ordi, c'est vraiment pas l'idéal. Chez DAVA, nous vérifions chaque demi-heure que nos employés ne souffrent pas d'hémorroïdes. Objectif, zéro hémo 2030. Alors, envoie-nous ta lettre de motivation. Ou plutôt, ne le fais pas. Idem pour ton CV, tu peux le garder, on s'en fout. Et oui, chez DAVA, nous sommes la première entreprise à ne recruter que sur la base des selfies. Déchire ta lettre de motivation, brûle ton CV. Envoie-nous plutôt ton selfie, l'avenir est au selfie. Nous voulons des selfies. Toutes les entreprises qui n'ont pas compris cela ne survivront pas les 10 prochaines années. Ton CV, ainsi que ta lettre de motivation, tu peux te les mettre dans le cul. Fils de pute. Connard. Enculé. Travailler pour DAVA, c'est aider à façonner l'image d'une entreprise, d'une famille, à travers le monde entier. Pouvoir se dire « Hey, je suis français, c'est la classe, putain !» Mais ce sont nos employés qui parlent le mieux de DAVA. Je suis tellement heureuse. J'ai fait un an sabbatique en Syrie, et puis je suis rentrée un petit peu comme j'ai pu. J'avais aucune expérience, et maintenant je suis à la tête d'une équipe de 5 employés que je peux dominer. Après avoir été victime de harcèlement sexuel durant mon télétravail, j'ai décidé de rejoindre DAVA. Un jour par semaine, j'ai la possibilité de travailler depuis chez moi. Et mes fenêtres ont été scellées pour empêcher tout suicide. Ils étaient vraiment gentils, toujours souriants, agréables, ils disaient toujours bonjour. Ils n'ont jamais été violents, et on comprend pas. Chez DAVA, que vous soyez un homme ou une femme, vous toucherez la même somme lors de votre licenciement. Absolument tout m'inspire ici, mes collègues, les plantes, l'amiante, le mobilier. Ça c'est super important pour un job créatif. En panne d'inspire, y a un ping-pong, on peut jouer aux fléchettes, et puis si les deux sont pris, il y a la roulette russe, on peut jouer au molki, il y a la bonne paye. Je me sens super heureuse. Je suis tellement heureuse. Ha ha ha!
Attentif aux besoins si particuliers de nos employés femmes, nous avons, Sacha et moi, volontairement passé une formation de gynécologue. La vulve est un endroit fascinant. Et personnellement, avant d'entrer chez Dava, je n'avais jamais vu de chatte. Inclus au bataillon ? On peut le dire, oui. Les femmes peuvent prendre congé quand elles ont leurs règles, et les hommes peuvent prendre congé s'ils ont un petit coup de mou. Nous sommes une rédaction résolument pré-MeToo. Nous engageons énormément de jolies femmes avec les gros seins. Alors pourquoi ? Eh bien car nous sommes également extrêmement religieux, fondamentalistes, toute l'équipe, et nous considérons les gros seins comme un signe de sainteté par excellence. Avant chaque réunion importante, nous avons même cette coutume de toucher les gros seins en récitant des prières eucharistiques. C'est notre façon à nous de louer notre Seigneur et de rendre ainsi grâce à Jésus le Christ. Mais il y a beaucoup d'avantages, par exemple, vous pouvez prendre un congé paternité juste après avoir éjaculé. Mais nous en parlerons plus en détail lors de votre formation en plan CAM. Jamais je ne forcerai une employée à coucher avec moi, ou à me parler. Et voilà les budgets prévisions du troisième trimestre. Merci beaucoup, Ludivine. Je t'aime. Je t'aime. En signant avec Dava, j'ai enfin pu réaliser mon rêve, nager avec des dauphins trisomiques. Moi, mon plus grand rêve, ce serait d'avoir le pape, de lui parler, d'échanger, mais surtout de lui demander ce qu'il pense de la Casa des Papels. On baise énormément. De baiser, de... Pas mal de brainstorming, ouais, mais surtout beaucoup de baise. On baise énormément à la rédac. L'autre jour, c'est Léopoldine qui s'est pris une faciale par Corentin. On a halluciné, on est monté sur le bureau, on a fait « Wouah ! C'est déjà vendredi !» Truc de ouf, c'est passé vite. Énorme! C'était énorme, énorme craquage, énorme. Alors dites-moi, où vous voyez-vous dans 3 attentats? Sur mon CV, dans Centre d'intérêt, j'avais mis Jeff Panaclock. Du coup, je m'attendais pas parce que j'arrive premier jour là au bureau et j'arrive au travail, il y a Jeff Panaclock. Ouais, Jeff Panaclock est venu dans les bureaux, ouais. Ouais, il nous a présenté sa nouvelle marionnette de Mahomet. On a trouvé ça trop drôle, il arrêtait pas de nous dire « Tu ne filmes pas, hein, tu ne filmes pas ». Sauf que ça, il le faisait dire par sa marionnette totalement surréaliste. C'était trop drôle. Je me suis percée 3 fois, mais non, je rêvais pas, c'était Jeff Panaclock. Je vous l'apporte, Jeff Panaclock. Jeff fucking Panaclock. Il y a Jeff Panaclock au bureau. Ici, c'est véritablement impossible de se plaindre. On n'a même pas de DRH. Eh oui, on n'a pas de DRH, c'est comme ça. Hein. Certains groupes n'ont pas de bassiste, nous on n'a pas de DRH, et ça marche très bien. C'est assez particulier. Disons que c'est un poste qui nécessite comme qualité la rigueur, le dynamisme, okay, et surtout la bienveillance. Et le défaut que nous recherchons pour ce poste, c'est l'addiction au porno. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait vous correspondre ? Oui, tout à fait. Tout à fait ? Ouais. Eh bien, vous êtes embauché. Vous commencez lundi. Et pour quel poste ? Au poste de rocker, au sein de la holding. C'est-à-dire ? Je peux te tutoyer ? Oui. Tu seras en charge de prendre bien soin du rock'n'roll dans la boîte. Ça me va, ça. On m'a toujours dit que les gentils dont je fais partie n'étaient pas faits pour réussir en affaires, que j'avais pas le bon niveau d'études. Et qu'étant de couleur, les affaires allaient être très compliquées pour moi. Aujourd'hui, en tant que noir, je suis fier d'avoir été embauché par Dava. Si vous n'avez plus de famille, accident d'avion, fait divers, pour nous c'est un vrai plus. Mon fiancé est mort. Et moi j'ai perdu ma fille et mon mari. Nous ne voulons pas que nos employés soient distraits. Il faut qu'ils puissent se concentrer à 100% sur la pop culture. Bon écoute Cassandra, je sais que t'es pas hyper à l'aise sur le sujet, mais dis-moi ce que j'ai envie d'entendre. T'es qu'une seule petite pute. Voilà, exactement. Tu pourras me le confirmer par mail ? Mmh. Allez, je m'en vais 15 minutes et quand je reviens, je vais entendre exactement la même chose. Merci Cassandra, ce sera tout. Sacha tient absolument à ce qu'on enlève nos chaussures une fois à l'intérieur. Ah, c'est pas lié à une philosophie orientale ou à l'hygiène, c'est juste que je suis fétichiste et j'adore ça. Baiser... En plus, le cadre rustique de la région Lozère nous offre une multitude d'activités à faire en dehors des heures de boulot. Et ça c'est top. On fait aussi des séances de yoga pour canaliser notre haine de l'Inde. Et moi j'adore son idée. Et truc super, toutes nos fiches de paye sont rédigées uniquement en émoji. Je trouve ça génial. C'est comme ça tous les jours.
Chaque matin, nous aimons prendre un temps pour servir du jus de fruits gentil à nos chats. Tout de suite, j'ai trouvé l'idée géniale. Il est drôlement bon ce jus de fruits gentil. Pourquoi nos jus de fruits sont-ils si bons? Eh bien parce que nous n'utilisons que des fruits gentils. Nous les sélectionnons rigoureusement par leur gentillesse. Nous avons des kiwis tellement gentils. Un fruit peut avoir passé une mauvaise nuit, être de mauvaise humeur, mais il n'a pas le droit d'être méchant. Nous avons les kiwis les plus gentils de France. Alors venez! Bah ouais! Si un fruit n'est pas assez gentil, nous ne l'utiliserons pas dans notre jus de fruits gentil. Nous le considérons comme un fruit méchant. J'ai perdu ma virginité avec Comme J'aime. Ici, on aime deux choses par-dessus tout. Les fruits gentils et la pop culture. On est Plurirédac, moi c'est Clarisse de Pornhub. Là, j'ai écrit un gros article sur Alexa Cash, Daniel Levrette. En plus, on a adoré quand elle a branlé un mec avec ses seins, elle nous a tous bluffés. Pour moi, elle ira très loin. Ça fait pas longtemps que je la suis, mais voilà, pour moi, elle est dans la quête de son grand rôle et là, elle a atteint son chat au pantin. Alors, je vois dans vos hobbies que vous êtes copie-comique. L'industrie textile est l'industrie qui pollue le plus sur Terre. Et nous n'avons pas de planète B. C'est pourquoi il faut interdire le voile. Envoyez tweet. Nous, on n'est pas là pour faire des dépêches AFP. On veut des avis de décès tous les jours. Ok, un mec vient de faire une fusillade à Londres. Je veux que tu me dises qui il est, d'où il vient, ses motivations et surtout quel personnage de Friends il est. Ici, c'est pop culture ou rien. Je sais pas. Clarisse, il faut faire une photo pour la fondation d'entreprise d'Avacare. Donc tu vas aller sur Stock Photo, Photolia, des trucs comme ça. Tu me prends des gens qui jardinent, tu mets des Noirs, des Chinois, des Arabes. Non, pas d'arabe. Tu vas mettre des noirs, des chinois latinos, un peu... Stop. Pas trop. Noir, alors le plus clair possible. Je sais pas comment on appelle trop ça sur ton logiciel. Oui, excellent les lunettes sur le chinois. C'est un métier exceptionnel. Notamment par ses aspects techniques qui sont pour moi les plus passionnants. Il est à combien d'ISO le noir là, avec la brouette? Il est pas un peu surexposé? Oui. Attends. Voilà. C'est quand même mieux. Chez Dava, nous sommes très touchés par des mots comme diversité ou inclusion. Regardez, notre dernière recrue est une personne dans le coma. Eh oui, et il fait preuve d'une assiduité remarquable, rare de nos jours. Il travaille au service livraison. Et nous le félicitons chaque jour. Parce que... ce qui va sauver la planète, c'est pas l'écologie, c'est pas la paix dans le monde, c'est la pop culture. Il y a l'autre jour Anaïs du marketing qui a fait un AVC dans le bureau. Et les pompiers sont arrivés. Il y en a qui a dit « Hey, pep, pep, les pompiers, vous n'entrez pas tant que vous ne citez pas trois personnages de Game of Thrones. » Il a dit « Gollum. » Oh, c'était énorme. Jubilatoire. Nous entrons dans une nouvelle décennie et il est important de nous demander quel monde nous allons détruire pour nos enfants. Dava s'engage au quotidien pour une agriculture responsable. Si vous êtes recruté, vous aurez peut-être la chance de participer à notre poulailler quotidien by Dava. Chez Quotibien, les coqs n'ont en effet plus le droit, depuis le 1er janvier, de violer les poules. Le consentement est obligatoire. Ils n'ont pas non plus le droit de se branler trop près d'elles. Cette attitude leur vaudra décapitation immédiate au son de chants religieux. C'est cette viande que l'on retrouvera ensuite sur les étals de nos marchés. Tous les autres animaux qui se comportent quant à eux correctement ne mourront jamais. Nous leur offrirons une cryogénisation. L'origine des viandes, quant à elle, est clairement indiquée. Mais il n'est pas marqué origine viande France, origine UE, origine Irlande ou que sais-je. Il est indiqué origine des viandes viol. Origine des viandes poule un peu aguicheuse ou qui nous fait bander. Cela est interdit. Origine des viandes suicide. Nous avons en effet énormément de suicides et c'est bien souvent le plat du jour. J'adore la ferme. Ici, à la ferme Quotibien by Dava, les poules sont élevées en liberté, nourries sans OGM et touchent le même salaire que les coqs. Et si une poule est prise en train de sucer un coq, alors elle devra verser son salaire à une association catholique.
anti-avortement, pro-peine de mort et contre les contre pour les chrétiens d'Orient. Et si nous sommes racistes, c'est uniquement envers les frelons asiatiques. Qui est le vrai vainqueur de la Seconde Guerre mondiale? C'est toi! Hitler a raté les Beaux-Arts. Balkany n'a jamais eu son bac. Et toi, tu cherches encore une excuse pour pas envoyer ton CV? C'est ton moment. Je suis fan des énergies vertes. Je suis fan de lutter contre les inégalités. Je suis fan de Nagui. Je suis fan de Dava. Je suis fan de Dava.